Voilà, bienvenue sur Télé Afrique. Nous sommes à Songon, hein. Songon Kassamblé. Il y a quelques années, quelques mois, je vous ai fait des vidéos ici. Tout ici, c'était terre rouge. Hein. Vous voyez maintenant la route de Dabou qui est en train de se transformer en 2x2. Voilà, et puis nous allons faire un tour sur nos sites de Songon Kassamblé. Vous allez voir l'évolution du secteur. Voilà. Donc vous voyez, tout ce coin-là, ça c'est un grand rond-point qu'ils sont en train de créer ici. Voilà. Vous reconnaissez ce coin-là, ces tricycles-là. Donc, on est en train de partir dans la zone où il y a les cités immobilières là. Il y a beaucoup de personnes qui ont acheté des maisons avec nous ici. Hein. Voilà. Donc, vous voyez la métamorphose. Vous êtes sur Télé Afrique, je suis Dadou Henri Joël Zama. Télé Afrique Group est une entreprise BTP. Nous sommes dans la construction, nous faisons aussi la vente de terrain. On est beaucoup plus basé à l'intérieur. Regardez, ici, avant le chantier, je vous ai filmé tous ces secteurs. Pendant le chantier, je vous ai filmé. Et là, voilà le visage. Ça, c'est le groupe Oribat. Oribat, ils ont leur siège aux deux plateaux. Donc, ceux qui sont intéressés pour avoir toutes les informations sur ces appartements-là, c'est là-bas que vous allez vous rendre. C'est pas la peine de m'appeler hein, pour ces maisons-là. Je ne travaille pas avec eux, c'est juste un service. Vous voyez la transformation de ces coins-là. Voilà. Je vous disais que ici, quand je faisais les vidéos, il n'y avait rien. Vous pouvez consulter les vidéos de 2021. Tout ça, c'était la brousse. Il n'y avait que ces voies-là. Et je vous ai dit, c'était le futur quartier comme la Riviera. Ceux qui en ont cru, ils ont acheté leur maison ici. Voilà. Et je sais que c'est maintenant d'autres vont courir pour dire qu'ils cherchent maison ou bien terrain ici. C'est trop tard. Je vous montre juste ces vidéos-là pour voir l'évolution. Sinon, la majorité de tout ce que vous voyez ici comme bien, tout est déjà acheté ou bien réservé. Voilà. Ça, c'est une zone qui a été aménagée où il y a plusieurs promoteurs immobiliers qui sont installés ici. Voilà. Là-bas, vous voyez, c'est des personnes qui habitent déjà dans la cité Ivoire de Aginep Group. Voilà, ils ont déjà aménagé. Je vous ai fait plusieurs vidéos. Il y a beaucoup de téléspectateurs de Télé Afrique qui ont acheté des maisons ici. D'autres ont reçu déjà leurs clés. Et puis, il y a d'autres maisons qui sont en cours de finition. Et voici le groupe Adoa de Songon. Ça, ce sont des magasins. Ça, c'est le site du groupe Adoa. Je vous ai présenté aussi ces opportunités-là. Où vous avez des logements sociaux ici. Voilà, qui étaient à 12 500 000 francs CFA. Les maisons semi-finies. Et les maisons finies, deux chambres salon, qui étaient à 15 millions. C'est-à-dire, c'est clé en main. Donc, vous voyez l'évolution de tous ces points-là. Quand on parle d'immobilier, il faut se projeter dans le futur lorsqu'on n'a pas beaucoup de moyens. Parce que si vous voulez les zones qui sont déjà viabilisées, il faut sortir beaucoup d'argent. Donc c'est lorsque les zones-là sont en voie de viabilisation que vous pouvez vous projeter dans le futur. Vous voyez toute cette zone-là, tout est bitumé. Donc quand vous êtes à Abidjan, c'est pas la peine de vous casser la tête. Vous-même, rendez-vous sur ces sites-là. Généralement, vous avez les bureaux de vente, vous avez des conseillers commerciaux. Et puis, ils vont vous donner toutes les informations concernant ces programmes immobiliers-là. Donc, ici, c'est Songon Kassamblé. Voilà. C'est une sous-préfecture, mais qui fait désormais partie, qui est devenue une commune d'Abidjan. Donc, c'est le futur, c'est les futurs quartiers comme la Riviera que vous voyez comme ça. Il y a un grand changement en moins de 2 ans. Un très grand changement. Regardez toutes ces promotions là. Regardez tout ce coin là. Regardez tout ce coin là. Promotion immobilière, il n'y a pas un commerçant. Les promoteurs, c'est comme des commerçants. Il n'y a pas un commerçant qui va vous vendre des produits 100% qualité. Donc, en matière de terrain, toutefois que lorsque vous achetez votre maison, même si ce n'est pas à votre goût, mais après vous pouvez modifier, là, c'est le plus important. Et ça sera très, très difficile de vous asseoir quelque part et puis un promoteur va
réfléchir pour faire des maisons que vous allez aimer à 100%. Donc généralement, lorsqu'on paye des maisons chez un promoteur, c'est juste le terrain. Une fois que vous avez fini de solder, vous avez le temps de faire toutes les modifications ou bien les réparations. En tout cas, transformer la maison à votre goût. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça. Vous voyez un peu toute cette zone-là, rien que des promoteurs immobiliers. Rien que des promoteurs immobiliers. Voilà. Ouais, tout est habité. Tout est habité. Ça, c'est à Doha avec des logements sociaux. Avant, ils faisaient les deux chambres salon à 12 500 000. C'est mis fini. Et puis les maisons clés en main, les appartements clés en main, ils faisaient ça à 15 millions. Mais je pense que les prix ont changé. Pour être d'actualité, il faut les contacter. Voilà. Et au bord, c'est des magasins. Je pense que les magasins même sont aussi à vendre. Donc c'est le groupe à Doha. Et là, nous partons maintenant sur la voie de Tabou. Pour aller du côté de Songon à Gouin. Ceux qui reconnaissent ce coin là, vous reconnaissez ces tricycles là. Voilà, donc ici c'était juste une petite voie, mais là vous voyez ce grand rond-point, vous voyez ce grand rond-point, vous voyez comment la zone est en train de changer. Voilà, donc là-bas vous avez la pharmacie Eliora, c'est au carrefour Songon Kassamblé. Voilà. Donc nous partons à Songon Agba. Nous sommes dans une saison pluvieuse. Hein. Donc il faut comprendre, il ne pleut trop en Côte d'Ivoire ici. Surtout cette année. Vous voyez, ça c'est la voie de Dabou qui est en train de se transformer en 2x2 jusqu'au carrefour Jacquesville. Voilà. Donc, en tout cas, abonnez-vous. Partagez les vidéos pour ne pas rater nos publications. Voilà. Et juste à côté ici, vous avez la lagune. Juste à côté ici, vous avez la lagune. Voilà. Parlons de pluie. Et la pluie, comment ça? Donc, chers abonnés, c'est sur cette belle pluie-là que nous allons nous laisser. On va se dire au revoir. Sur cette belle pluie. Merci et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Téléafrique.